En ce lundi 29 avril 2002, mesdames, messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour toute l'actualité locale et internationale. À la une de l'actualité, nouvelle vague de tensions et de protestations des OP pour la Valace à travers certains quartiers populaires de Port-au-Prince. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés. Arrivé dans la capitale haïtienne d'environ une dizaine d'experts américains, objectif, aider le gouvernement à lutter contre le trafic de stupéfiants. Toujours chez nos dossiers de piâtre, le juge Henri Kestner-Noël a pris le maquis. Olivier Nadal fait des révélations. Dans l'actualité internationale, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé à une Britannique de 43 ans totalement paralysée le droit de mourir. France Élection, le meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid, Zinedine Zidane, estime que le Front National de Jean-Marie Le Pen ne correspond pas du tout aux valeurs de la France. L'invité du journal de ce soir est M. Jérôme Lapitus, représentant du FMI en Haïti. Les nouvelles du monde sur la 5. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement du journal. La nouvelle est rendue publique. Le juge d'instruction de Saint-Marc, Henri Kestner-Noël, sur l'ordre duquel l'ancien général Prosper Avril avait été reconduit en prison malgré l'ordre de libération rendu en sa faveur, a pris la fuite en compagnie des membres de sa famille vendredi dernier en direction de Boston. Bichara Sénéus et Pierre-André Charles s'étaient rendus à Saint-Marc au cours du week-end afin de s'enquérir des motifs du départ du juge. Leur reportage. L'église s'arrêtait White Oak, qui voulait dire roche blanche. C'est là, juge Henri Kestner-Noël était persévéré et était occupé fonction diacre. Dimanche qui était 20 avril, là, diacre Kestner-Noël était pour porter message parole bon Dieu. Laissa, il n'y a pas de cas tellement il t'a crié. Pour décharger conscience, le juge l'a réuni la presse dans la justice Saint-Marc, là, lundi matin bien bonnet, pour annoncer les mandats autorités de la justice Port-au-Prince, former une commission rogatoire pour tendre l'ancien général Prosper Avril. Et puis, quelques jours après, tant que l'on a forcé faire un bagage, juge Henri Kestner-Noël quitte le pays avec toute code famille. Pour t'encourager le juge-là, instruit dossier piat là, donc tant de Prosper Avril, autorité a offert quelques avantages. Par exemple, un téléphone cellulaire avec un Ford flambant neuf, double cabine avec plaque privée. Avantage ça, il te mettait des unions dans l'appareil justice là, dans ces marques, puisque doyen Mario Joseph, qui est censé être chef hiérarchique juge Kestner-Noël, pas de machine. Nabsiale, jeudi lundi a fait 8 jours depuis juge Kestner-Noël te voye mandé Port-au-Prince former une commission rogatoire pour tendre ancien général Prosper Avril. Depuis ça, nouveau doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, maître Jocelyne Pierre, pas jamais voulu dire qui ça l'y fait et qui ça l'a pas fait. Nabsiale tout, que la Cour d'appel Port-au-Prince te fait sortir une ordonnance 11 avril qui s'est passé là pour demander libération sans condition pour Prosper Avril. L'ordonnance a été exécutée quelques jours après, mais juge instruction Saint-Marc là, Henri Kestner-Noël, te émet un mandat contre l'ancien général là et laisse ça la police te reprendre. Avocat Lio, Rigaud Duplan et Renaud Georges te dénoncé brutalité yodi qui te gagné dans l'arrestation ça. Le principal responsable de l'amicale des juristes, maître René Julien, applaudit la décision du juge d'instruction de Saint-Marc, Henri Kestner-Noël, qui était chargé d'enquêter sur le massacre des paysans de Piâtre. Selon le juriste, les autorités Lavalas voudraient faire connaître à M. Avril le même sort que l'ancien général Claude Raymond et l'ancien ministre Roger Lafontaine. Maître René Julien a répondu à Bichara Sénéus. Bon bagage qui t'a permis pour faire. Et général Avril passait mal même pour le connaître même sort que général Raymond connaît en bas griffe la valasa. Juge là il refusait, il pas accepté et sort écrivé là mais connaît l'itégain pour arriver parce que juge là pas accepté pour le travail son dossier yo monté bali un dossier la valasa monté bali pour faire et général Avril connaît même sort. Moi répéter encore même sort avec général Raymond. Je dis à nous pas qu'à permettre nos mes amis pour nous dire que son bagage n'a pas défendu général Avril, n'a pas défendu monde. C'est le droit de l'homme qui est en danger. C'est le droit qui est en danger dans ce pays. C'est le droit qui est en danger. Tout le monde doit prendre défense droit. Parce que puis devant, si vous ne pas défendre droit, ça en bas, griffe la valasse. Aujourd'hui, ce n'est pas justice qui ne peut pas jouer encore. C'est justice même qui nous mettait dans le problème. Aujourd'hui, il faut tout le monde accepter de prendre la défense de la justice, la défense du droit. Et on a une seule façon pour prendre, pour tout le monde mobiliser,
pour faire échec, pour mettre la valance en déroute à projet macabre, gagnant, projet pour détruire toute valeur pays. Et là, la détruire valeur pays, l'utiliser appareil justice là. Longtemps, ou te kawe, gombagay qui pour faire, yo utilisé, Duvalier utilisé, Makout, mais au moins justice a te gagné certaines indépendances. Au moins justice a te agi, au moins que des belles procès que te fait. Yo va utiliser justice. Justice va sacrer nos pays pour prendre équipe nèg sans foi ni loi pour utiliser justice pour persécuter petit pays. L'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, M. Olivier Nadal, actuellement en exil et accusé d'avoir participé au massacre de Piatre, a apporté certaines précisions sur cet événement tout en précisant la non-implication du général Prosper Avril à cette tuerie. Bon, l'affaire Piatre est une affaire montée par la presse lavalassienne. C'est de la propagande lavalassienne. Et aujourd'hui, bon, j'en suis encore victime. Mais on s'en sert toujours. Et bon, aujourd'hui, le régime lavalassien s'en sert pour garder le général Avril en prison. Et on s'en sert pour m'intimider. On s'en est servi pour m'intimider, pour m'éliminer de la scène politique en l'an 2000, après le rassemblement du 28 mai 1999 au Champ de Mars. Donc ils s'en sont servis, mais ce sont des accusations gratuites et qui ne me font pas peur, parce que c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Il y a eu des problèmes entre les paysans de Piatre et les paysans de Délugé. Maintenant, l'affaire Piatre a commencé avec l'assassinat du chef de section de Délugé et son adjoint. Et ça s'est passé le jour du départ du général Avril en exil. Donc je trouve ça vraiment scandaleux d'accuser le général Avril de participation au soi-disant massacre de Piatre, qui est de la propagande politique. Et de l'accuser d'avoir participé à ce massacre, c'est scandaleux, c'est même criminel, parce que le général Avril n'a rien à voir avec cette affaire. Il ne peut pas... Et d'ailleurs... On a cité le nom du colonel Marc Charles également, qui n'a rien à voir non plus avec cette affaire. Cette affaire a été, comme je le disais tout à l'heure, a commencé avec l'assassinat du chef de section et de son adjoint à Piatre. Et ce sont les paysans de Piatre qui ont fait chercher le chef de section de Délugé pour régler une affaire et une bagarre qui avait eu lieu à Piatre le jour du départ du général Avril. Et cette affaire, d'ailleurs, n'a aucun rapport avec le conflit terrien que j'avais eu en 89 avec les paysans de Piatre. Et c'est justement le cynisme et le machiavélisme du régime politique en place qui utilise des conflits terriens et puis ensuite qui organise des crimes et qui ensuite les met sur le compte des partis en conflit. Ça m'est arrivé avec Piatre. Mais je peux citer le cas de Dany Toussaint, par exemple. Je pense personnellement, Olivier Nadal pense personnellement que Dany Toussaint n'est pas responsable de la mort de Jean-Dominique. Je pense réellement que les assassins sont sortis du Palais National. Ils ont été commandités par le pouvoir en place pour se débarrasser de Jean-Dominique. Et on a mis le crime sur Dany Toussaint. Et Dany Toussaint, effectivement, avait un problème, un conflit personnel avec et Jean-Dominique. Mais le pouvoir, cyniquement, utilise ces conflits personnels de personnalité ou de groupement ou de partis politiques entre eux pour justement s'immiscer dans les affaires, s'immiscer dans ces conflits et maintenant abattre un individu et le mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc on se sert de Dany Toussaint comme bouc émissaire, on se sert d'Olivier Nadal comme bouc émissaire, on se sert du général Avril comme bouc émissaire, dans une affaire qui n'a rien à voir, l'assassinat du chef de section et l'assassinat la vengeance de certains paysans de Délugé, enfin, et particulièrement la famille du chef de section, qui s'est vengé en assassinant un paysan de Piatre et peut-être deux ou trois jours après l'affaire de Piatre, à Délugé. Et ces meurtres, on ne peut pas les mettre sur le compte de gens qui n'ont rien à voir avec ces crimes.
Monsieur Olivier Nadal participait le 20 avril dernier à la conférence tenue à l'hôtel intercontinental de Miami par la FAVACA, l'USAID, la Fondation interaméricaine de développement et l'ambassade des États-Unis. Autre sujet d'information à ce journal, vous en avez peut-être pâti au cours de cette journée. Port-au-Prince s'est réveillé ce matin sur le choc. En effet, plus de 25 comités de quartier de la zone métropolitaine ont entamé un mouvement en chaîne à la capitale pour dénoncer certains proches du pouvoir qui, selon eux, refusent de les mettre en contact avec le président Jean-Bertrand Aristide. Ces jeunes qui se réclament du mouvement Lavalas ont cassé des pare-brise de véhicules, entreposé des barricades enflammées et bloqué les artères les plus importantes du centre d'affaires de Delma et du haut de l'Alu pour manifester leur colère. Amortissant, les manifestants ont affronté les policiers dépêchés sur les lieux en leur jetant des pierres, ce qui a créé une atmosphère de panique dans la zone. Certaines écoles n'ont pas pu fonctionner à la capitale et à Carrefour, et les militants Lavalas menacent de récidiver au cas où le président Jean-Bertrand Aristide refuserait de les rencontrer. Entre autres, les OP réclament leur intégration dans l'administration publique. Lors de ces événements, précisons-le, la presse n'a pas été épargnée par les manifestants et les reporters sur place ont dû vider les lieux pour échapper à la colère des membres de l'OP. Le quartier populaire de Solino a connu lui aussi ce lundi 29 avril une matinée de tension. En effet, très tôt, des pneus enflammés étaient entreposés sur les différentes artères de ce bidonville. Des individus non identifiés lançaient des pierres, des bouteilles et même des projectiles. Selon ce que nous ont rapporté des policiers dépêchés sur les lieux, plusieurs arrestations ont été effectuées. Les réactions de quelques riverains. L'aria de Hacho pendant ça. Malgré ça, je me mettais, mais je ne pas arrêter. Je suis obligé de courir rentrer. Chaque monde, je suis gaz à prendre, mais je ne sais pas ça passer. Et comment vous comprenez comment situation ça, même? Je ne sais pas. Comment vous la situation ça? C'est le bon Dieu que vous connaissez. C'est l'école ici, dans la zone de l'école. Mais il faut faire moi habiter. Mais je sorti, même pas quand c'était des autres. Mais quand je sorti, il faut faire, et puis les mouvements en bas. Je suis monté là et je suis même moi au bar de Boïsia. Je suis passé par là, je suis en l'air, je suis pris rouge bouteille. Même si je suis en train de Boïsia, je suis couru, je suis café là et puis quand je suis là, je suis commencé à calmer et puis je suis perdu jour l'école là. Je suis retourné là quand même. Vous m'avez demandé ça, vous m'avez dit pour qui ça, vous avez vu rouge comme ça? Je ne sais pas pour qui ça, je suis barré de Boïsia et pas Boïsia m'a habité. Vous êtes à l'école? À l'école, je dis, oui. L'école a défonctionné. Oui. Et va boire ici à l'école? Non. Où est l'école? La ville. Vous êtes à cette école-là? Oui. Vous êtes comme ça? Et nous, comment nous allons à la boire ici? Il mal toujours. Il mal toujours? Oui. Ça? Il y a petit roche. Il y a petit roche? Qui est-ce que vous avez petit roche là? Vacabonyo. Vacabonyo? Oui. Pour qui c'est un petit roche? Peut-être pas de l'eau dans le pays. Ah, parce que pas de l'eau dans le pays? Oui. Pas de l'eau ici là? Oui. Vous voulez la plus ça cap tomber, pas de l'eau dans le pays ici? Est-ce que nous prenons gaz là? Oui. Nous prenons gaz tout? Oui. Ah, moi, bon citoyen, moi, tu dis. Moi, bon citoyen, moi. Et vous prenons gaz tout? Oui. Oui. Et vous-même, petit petit? Oh, madame. Mademoiselle. Oui. Qu'est-ce que nous prenons? Ça fait nous prenons gaz. Si nous nous levons matin là, on parle à l'école. Même bien, quand ça fait à l'école, on est content pour que nous à l'école. Mais même, je me lève matin là, je regarde, je suis à Timogène à tomber. Je suis obligé de parler à l'école, mais je suis à l'école là. Il y a aussi cette note de presse de la Chambre des députés, le bureau de la Chambre des députés qui s'empresse de condamner les violences survenues ce lundi 29 avril 2002 à Port-au-Prince et dans certaines zones avoisinantes. Ce bureau dit constater avec stupéfaction que les véhicules assurant le trafic d'élèves et des habitants de Delma, de Carrefour et de Martissant ont essuyé des jets de pierres et de bouteilles. Il y a lieu de préciser que le véhicule d'immatriculation officielle, à bord duquel se trouvaient deux députés de la 47e législature, a eu son pare-brise et la vitre arrière doit casser. Le député Ramilus Bolivar en est sorti avec une blessure à l'épaule. Le bureau de la Chambre des députés entend donc dénoncer tout ce qui, sous couvert des revendications du peuple haïtien, jette le trouble au sein de la population dans le but inavoué de déstabiliser le pouvoir légitime en place dans le pays. Ce bureau invite en outre cette population à rester vigilante pour éviter toute forme d'infiltration qui serait à l'encontre de ses aspirations légitimes au changement. C'est signé du directeur de la Chambre, du président plutôt de la Chambre
des députés, le docteur Rudy Erivo. Autre information à ce journal, plusieurs plaies par balle ont été acheminées ce week-end à l'hôpital général. Certaines des victimes se plaignent de ce que les responsables de l'institution ne prennent aucune mesure pour leur prodiguer les soins que nécessite leur cas. Elles expriment plutôt leur souffrance au micro de Bichara Sineus. Dans le garage, je vais aller. Non, il pas en bas. Quand je suis venu, je suis capable de machine. Quand je suis venu deux autres dans l'arrière, je vais garder ces cartouches que je vais prendre en pied. Qui est-ce qui va faire tout ça? Bon, baron, qui est-ce? Parce qu'il est tombé, moi, je suis tombé, je suis la police, si c'est peuple là. Et moi, l'hôpital général, là, qui est-ce qui mène là? Bon, avec un partenaire qui court, même l'hôpital là, même il y a maman petite, moi là, tout. Maman petite, qui est-ce qu'on est venu? Mais où là, du matin, même moi, je n'ai pas gagné un amour, même on sait où. Il n'y a pas bon moment, même. Parce qu'il y a une femme radiographie, le fini, il y a un bar au cop, il y a là, qui est là, il finit faire un en tout cas, ça que t'as gagné, Martissan, en matin même, ça que t'as gagné là? Bon, je ne sais pas, non, même. Tu as gagné des autres? Oui, tu as gagné des autres dans Martissan. Qu'est-ce que tu as conseillé, tu as fait pour la Kounia? Bon, il y a cartouches là, non, bien. Deux cartouches aussi? Un seul, oui. Qui joue en les mêmes? On prend les Jean-Baptiste du Grasil. Jean-Baptiste du Grasil? Du Grasil. Ok, mon cher. Monsieur, vous même là, vous avez deux cartouches. Oui, depuis vendredi. Vendredi à 5h après-midi. Et puis, pendant que je campe devant la caille, comme ça, et puis je regarde une grande machine qui paraît, et puis, même côté machine n'a pas été, son clip, garçon, moi qui a vu des cartouches. Là, je suis couru, et c'est vu des cartouches dans le dôme. Et puis, je suis couru, grand monsieur qui bam, c'est pour mettre sous dos, et puis pour te. Et puis pour motosquette, mal Sainte-Catherine, les mouvements, sur Sainte-Catherine, bah, un docteur, et puis une machine qui vient de la game là. Depuis vendredi à 6h, bah, je vais un docteur, je fais radiographie, je fais analyse, jusqu'à ce que c'était docteur Bayam Dimaye. À la suite de l'actualité, amis téléspectateurs, dans un instant. L'actualité vous revient sur la 5 après cette pause. L'actualité se poursuit, amis téléspectateurs, avec, comme annoncé en titre, la commission d'experts américains invitée par le gouvernement haïtien qui est arrivée ce lundi dans la capitale haïtienne en vue d'aider les autorités à combattre le trafic illicite de stupéfiants. Accompagné du directeur de la police nationale, M. Jean-Nesli Lucien, et du directeur central de la police administrative, M. Clarel Alexandre, la commission composée d'une dizaine de personnalités a visité la garde-côte. Selon le chef de cette mission, M. Irwin Sovski, qui s'exprimait au micro de notre collaborateur Telson Fleurismé, cette visite consistait à évaluer le travail déjà réalisé par le gouvernement en vue de combattre ce fléau qu'est la drogue. This is a fact-finding mission. To evaluate what the Haitian government is doing and try to reinforce the positive steps they're taking in the battle against the drug trafficking issues. Vous êtes ici pour combien de temps? How long are you here for? Just through tomorrow. Jusqu'à demain. Et c'est une commission indépendante ou une commission qui vient ici, en fait, qui a été invitée par le gouvernement haïtien? The Haitian government, President Aristide, is pointing us to the commission. De son côté, le directeur général de la PNH, M. Jean-Nesli Lucien, dit espérer que la mission va tenir compte des maigres moyens dont disposent les autorités locales dans l'accomplissement de leurs tâches. Bon, naturellement, c'est une commission qui fait criver. Donc, nous avons déjà fait un premier travail. Nous sommes en garde de côte là, côté M. Vingadé. Et enfin, ça nous gagne comme équipement. Et nous avons gardé tout qui fait blesse nous. Parce que nous connaissons assez souvent l'activité de drogue là. Il fait non seulement en l'air, ça veut dire en avion, mais il fait tout sur la mer. Donc, ces commissions viennent travailler avec nous. Nous espérons qu'ils puissent regarder qui faiblesse que nous avons et qu'ils puissent regarder tout qui volonté que le gouvernement, que l'État ici a gagné, que la police a pour combattre le trafic là. Donc, nous sommes certains que ce sont une belle initiative. Et nous comptons sur la commission capable de.
qui déjà commencé un but de problème yo et qui est ensemble avec nous, ensemble avec l'État haïtien pour aider combattre la trafic de drogue. Toujours dans le même dossier, le secrétaire d'État à la communication, M. Mario Dupuis, pense que le trafic de la drogue représente un danger pour le pays, tout en indiquant que le gouvernement haïtien doit avoir les moyens adéquats pour combattre ce fléau. Il a invité une commission qui est composée d'un qui sont groupe d'experts, qui sont des gens qui ont de très grandes expériences et de très grandes compétences tout, dans le domaine ça, pour travailler avec comme consultant. Ça veut dire. Hein? Donc, des consultants, c'est des gens qui ont un gouvernement engagé, qui pour produire des recommandations pour lui, qui pour proposer des méthodes, par exemple, pour résoudre un problème, pour résoudre une situation qui posait problème. Et c'est dans le cadre de ça que le Maïdico profile, monde qui composait la commission, et nous croyons que les téléspectateurs comprennent très rapidement qu'une commission comme ça, c'est une commission qui est compétente, qui a expérience. Tout le monde qui l'a donné, et il va aider le gouvernement haïtien effectivement renforcer les mesures qu'il a commencé à prendre déjà. Mais qui génère de personnalité dans la mission ? Justement. Donc, la commission est composée de 7 personnes, et il y a en tête M. Lee Brown, qui est maire de Houston, donc de l'État du Texas, mais qui est en même temps un ancien responsable de la lutte contre la drogue aux États-Unis. Donc c'est un monde qui gagne un pile d'expérience dans le domaine non? Et qui évolue dans un environnement qui était très exposé à la drogue, qui c'est un grand marché d'eau pour la drogue. Donc c'est un monsieur qui connaît de qui ça a parlé, il a parlé de lutte contre le trafic de la drogue, et nous pensons que c'est un monde effectivement qui a bâillé des conseils judicieux qui pour permettre, par exemple, que la lutte là allait beaucoup plus vite et nous gagnons des résultats beaucoup plus rapidement. Dans un autre chapitre, sachez que dans 2 jours, ce sera le 1er mai, donc la fête du travail et de l'agriculture. En cette occasion, le numéro 1 du Parti populaire national, M. Benjamin Dupuis, a annoncé l'organisation d'une marche dans la capitale haïtienne par plusieurs représentants d'organisations paysannes en vue de fixer leur position sur la situation du pays. Une mobilisation que PPN a organisée dans Port-au-Prince à l'occasion de 1er mai qui est censé fête des travailleurs et de l'agriculture, c'est-à-dire de paysannerie. Donc c'est comme ça que 1er mai n'a pas gagné des milliers de travailleurs paysans qui viennent manifester en marche Port-au-Prince, pour yo bay, disons pas yo, sous situation générale pays ya. Et c'est pour l'on marche qu'a dérapé place d'Italie et qui poil longé rue Bonnefoy, passé sous boulevard Jean-Jacques Dessalines et prend rue des Casernes et pour nous venir aboutir en face Palais National sous Champ de Mars. Donc nous pour gagner des milliers et des milliers de travailleurs, de paysans, qui viennent dans Port-au-Prince pour manifester. Et mot d'ordre manifestation, ça, c'est sous base de production nationale égale réforme agraire. Et manifestation, ça a tout pour lancer PPN, Parti populaire national, comme alternative peuplant. Puisque nous comptons journée aujourd'hui, il y a soi-disant une opposition à pouvoir Lavalaslan, mais qui n'est pas une opposition.
nous connaissons que c'est un macon cabrit de politiciens d'Okale qui fin fait carrière, yo, que le peuple a démissionné et qui, journée aujourd'hui, fait appel à patron yo, blanc yo, pour venir mettre yo sous pouvoir. Rendons-nous à présent à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti où les résidents du service de traumatologie orthopédie ont observé un arrêt de travail ce lundi en vue de forcer les responsables à améliorer le service et créer les conditions adéquates pour leur permettre de fournir un service beaucoup plus efficace à la population. Au micro de notre collaborateur Telson Fleurismé, les résidents ont critiqué sévèrement le ministre de la Santé publique, le docteur Henri-Claude Voltaire et le directeur de l'HUEH. Accompagner tout le monde qui a mené une activité. Par exemple, un monde qui est dans la factory, qui est capable de blesser, qui est capable de gagner une fracture. Un monde qui a marché dans la rue, qui est capable de prendre une balle avec cause d'insécurité, qui est capable de gagner une fracture ouverte. Un monde qui est dans le voyage, qui a voyagé, qui a eu un accident, côté gueule, et qui a une fracture ouverte, type 3A, type 3B, avec gros plaies, c'est orthopédien qui traite ça. Un monde, par exemple, qui a construit un gros caille, qui sont tombés, qui fracturés, qui ont cassé, c'est toujours orthopédie. Un monde qui a travaillé dans le boulanger, mais le boyer dans le moulin, et eh bien c'est orthopédiste qui traite. Un sportif qui a soit un entorse, ou bien une fracture, une lésion ménisque, c'est orthopédien, c'est orthopédiste toujours qui traite la question ça. Donc, toutes les fois que il y a une activité, ou capable toujours de jouer des traumatismes, eh bien, orthopédiste, lui présent. Dans l'actualité internationale, sachez que le meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid, Zinedine Zidane, a estimé ce lundi que le Front National d'Haïti. Et la fois encore, nous bien contents de retrouver nos amis téléspectateurs avec Agonome de Rosen. Nous allons parler sur le budget 2001-2002. Nous allons apporter en pile précision, en pile information qui a un rapport à budget pour exercice fiscal 2001-2002. Quelques n'ont plus gros points qui dominent l'actualité, sous demande chef de l'État haïtien, président Jean-Marie Aristide, il y a une commission qui gagne dans 7 experts internationaux dans affaire bataille contre drogue, arrivé dans le pays d'Haïti matin. Il va gagner pour repartir demain après rencontre avec chef de l'État haïtien, divers officiels dans le gouvernement. Barricade à Carotiou, taboulé dans plusieurs quartiers Port-au-Prince pour demander travail à réparation diverses routes. Sous question ça, nous va gagner pour nous tendre des points de vue, ministre TPTC. Ingénieur Harry Clinton et puis plusieurs parlementaires intervenus sous une lettre 82 organisations non gouvernementales qui a fonctionné dans le pays des États-Unis voyez par membre congrès américain yo pour demander yo intervenu bon côté administration Bush là pour lever sanctions économiques yo sur pays d'Haïti. Restez branchés amis téléspectateurs tout de suite après publicité n'a retourné pour nous développer point ça pour vous. Amis téléspectateurs, une autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes. Sous invitation au gouvernement haïtien, un groupe 7 experts américains arrivés dans le pays d'Haïti, matin lundi 29 avril 2002, pour renforcer les efforts gouvernement fait pour combattre trafic de drogue dans le pays d'Haïti. Commission qui gagne en tête, M. Lee Brown, maïska Houston, Texas, avec chef police New York, M. Ray Kelly, a chita parlé avec chef l'État haïtien, président Jean-Marie Aristide, demain, et va gagner pour causer avec plusieurs officiels dans le gouvernement avant de retourner dans le pays des États-Unis d'Amérique. Une équipe notée sous place dans l'aéroport international Port-au-Prince, matin, en suivant, qui vient s'atteler. C'est bien bonheur, matin lundi 29 avril 2002, cet expert international qui est dans la commission arrivé dans l'aéroport international Port-au-Prince. Plusieurs responsables dans diverses branches dans l'État étaient présents pour accueillir consultants. Le gouvernement haïtien a invité pour bailler conseil, proposer méthodes pour combattre trafic de drogue, blanchir l'argent et une façon pour renforcer mesures que le gouvernement haïtien a déjà pris sous affaire commerce drogue-là, selon information qui se tient dans le secrétariat d'État dans affaire communication. Monsieur Lee Brown, qui s'est maïska à Houston, Texas, ancien responsable bataille contre drogue dans le pays américain, n'a tête collé avec chef police New York, là, Ray Kelly, a dirigé commission ça, qui est là dans 7 experts, qui pral renforcer les efforts gouvernement a fait pour combattre drogue là.
Commission dans même journée a commencé travail. Y a gagné un chita causé avec président Aristide, ministre justice là, responsable police nationale là, l'autre officiel. Nous voulons aider gouvernement haïtien dans la bataille contre trafic de drogue là et puis travail avec tout le monde, secteur public ou privé. Déclaration monsieur Iwin Stotsky qui c'est président commission avant de quitter Miami. Commission a quitté pays d'Haïti mardi 30 avril là, mais prévoit retourner plusieurs fois pour évaluer travail qui déjà fait et fait proposition concrète à suggestion par gouvernement haïtien pour améliorer GFOL. Commission a gagné la dans monsieur Iwin Stotsky, professeur droit dans l'université Miami, directeur centre d'études pour droit monde, monsieur Lee Brown, maïska Houston Texas, ancien responsable lutte contre drogue dans pays les États-Unis. Monsieur Paul Brown, assistant chef police et ville New York. Monsieur Eduardo Gamara, professeur et puis directeur centre latino-américain à l'Université internationale Floride. Monsieur Ray Kelly, chef police ville New York, ancien responsable douane dans le pays les États-Unis. Maître Ira Cosban, conseiller juridique gouvernement. Maître Matt Carlson, qui a participé dans la réunion, avec Michel Warren, qui a traduit. Membre commission yo a bien pour visiter à Pâques et un centre réhabilitation qui n'a Musso. C'est demain 30 avril, membre commission va gagner pour le chita causé avec chef l'État haïtien, président Jean-Bertrand Aristide. L'autre point toujours dans l'actualité la Kaino, Sant Alpha dans diverses institutions publiques yo a pu continuer de travailler comme ça doit. Nous t'es dans le palais national, côté participant yo, t'es remercié chef l'État qui t'a l'ouvri Sant Alpha. Dans le ministère Affaires étrangères, ah ben c'est même situation. Nous t'es rencontré avec plusieurs participants, ensemble avec responsables yo, qui ont même t'es reconnaître impact déclaration chef l'État t'es gagné sous participants qui depuis le ça pas suspend apprendre lire et écrit dans centre alphabétisation dans ministère affaires étrangères en suivre souhaiter en dans tout l'état 46 000 employés l'état l'enal garder pour nous joindre combien d'années qui besoin alpha pour eux même tout jeune salle tant que salle ça à côté au ministère en dans en ville qui pas nécessairement Port-au-Prince mais tout partout dans le pays pour que pas employé l'État qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit encore. Déclaration ça, c'est un engagement, président Aristide, demander tout responsable dans l'État qui prend face à deux voyous pour y venir impliquer comme ça droit dans la campagne alpha économique. Là. Ça, c'est un devoir d'État, président pays apprend pour réaliser dans notre tout si la politique exclusion, tekembe dans l'ignorance depuis 200 l'année comme ça. Depuis mon ordre, président Aristide là, Sant Alpha ouvert tribo babo dans ministère yo ak tout bureau l'état yo dans ministère ka poukipe relation pays d'Haïti ak l'autre pays yo participant yo content pour Sant Alpha qui permet yo wè clair journée jodi a yo di yo pa ka nan yon gros ministère comme ça pour se ti kwa y ap fè les ap siyen nan yon passeport ou sinon les ap touché participant yo te partager expérience yo ak nou pa kite alantou kay nou sal. Mes amis, nous, même en fait, mes étrangers, nous faisons pile effort. Il faut que nous t'accompagnions vraiment parce que nous même capables occuper un pile bagage dans le pays d'Haïti. Que capables occuper un pile rôle, alors nous devons qu'on lit à quelqu'un. Ça fait nous plus content à faire l'école là parce que nous pas de qualité du tout. Et puis, pendant nous venons l'école là, là, professeur a travaillé avec nous. Nous guettons qu'on lit. Nous connaissons écrit, nous dans la rue, nous avons un qui marqué, nous camper dans l'île. Ouais. Et puis longtemps, nous n'avons pas dit ça. Pourquoi là, mais nous n'avons pas de là-dedans. C'est grâce à président Aristide qui fait nous créole là. Le créole là marqué un côté, nous sommes capables de dire ça nous ouais. Et longtemps, nous n'avons pas dit. Nous disons, président, merci pour ça. Et pour continuer avec nous tout, parce que créole là bon pour nous lire, pour nous écrire, nous arrivons à côté. Après 3-4 mois, participants yo maton dans les ti ak ekriti. Pour participants sa yo qui gagnent plus passé 60 l'année, c'est qu'est content. D'après participants yo, Alpha Economic lan makone ak anpil l'autre changement dedans société ya. Pour permettre yo intégrer yo comme ça doit après Post Alpha, yo mandé pour 4 identités, l'autre pièce important ta fait en créole. Dès que nous fin gonn li c'est pour langue nan tout pour ta toujours faire nous capable participer là dans pas seulement pour nous capable participer créole là pour le servir nous pour jusqu'à la fin que tout côté nous passer.
Dans 2014, tout le monde connaît. Parce que nous parlons créole, nous devons écrire créole, nous devons parler créole la plus toujours. Sinon, pas qu'à lire créole, nous pas qu'à écrire créole, eh bien, nous pas ici dans le pays. Moniteur, qui se cadre dans le ministère, content de voir Civic ça, il n'a pas accompli dans la campagne Alpha économique. Là. Pour les participants, il fait, bah, il y a un pile d'encouragement. Il a continué le travail, puis dit, pour faciliter l'apprentissage. Là. Nous sommes tous les gens qui pas qu'on écrit, qui pas qu'on lit, qui commence à lire et écrit. Dans 100 ans, nous avons commencé à gagner un seul groupe. Mais après 3 mois, je dis à gagner deux groupes dans 100 ans. Gagner un groupe qui gagne 9 personnes qui finit avec le premier parti programme, secrétaire d'État alphabétisation, qui est préparé. Il y a un deuxième groupe qui travaille pour finir avec le premier parti parce que les gens sont vraiment intéressés. Ils font sacrifice pour venir et ils veulent que. Programme alphabétisation prend dans le ministère des Affaires étrangères. Nous avons un peu d'encouragement parce que nous sommes vraiment satisfaits du travail qui fait dans ce temps depuis 26 novembre à nos jours. Nous n'avons pas l'autre mot qui tape et puis nous n'avons pas dit l'autre mot que nous sommes très satisfaits du travail de nous. Lorsqu'on sait de nous, nous sommes prêts à faire venir. Nous ne pouvons pas connaître l'alphabet créole du tout. Quand nous sommes arrivés capables de reconnaître, nous sommes capables de reproduire sur papier. Nous, et puis cette alphabétisation, tout faut nous dire, c'est pas, nous n'y pas venir là seulement pour venir apprendre lire avec le créole. Je viens là, je considère ça comme un espace de défoulement, parce que je dois avoir un petit problème, je parle de lire, nous brasser l'idée ensemble avec eux. Donc c'est un plaisir pour nous venir là, non seulement pour nous montrer, mais pour nous prendre tout. Parce que c'est un échange. Ça veut dire nous apprendre, tout. Directeur général, ministère, Corée, campagne Alpha, sans garder derrière. Là où il y a une institution, l'État, il y a tout employé qui vraiment a un niveau de connaissance avancé, évidemment, ce sont plus pour le ministère là. Pendant le pays d'Haïti a vu une pédium dans la relation avec l'autre pays, les citoyens n'ont pas de rester derrière. Pour voir la valace là qui a investi dans le monde, mettez-vous dans la toute action. C'est peut-être ça, le président Aristide prend engagement. Même Jean, il a toujours demandé tout secteur. Élève l'école, professionnel, médecin, pasteur, père, mais on gagne avec tout le lieu pour poter coller, pour diminuer les affaires monde qui par contre lient à écrit dans le pays d'Haïti en 2004. Sauti dans le ministère des Affaires étrangères, nous allons aller dans le ministère intérieur. Côté gain plus passé 300 personnes qui sont dans le centre Alpha ça qui peuvent prendre lire et écrit. Information que nous rejoignons, 300 personnes, ce n'est pas dans le ministère intérieur, suivant. Et information, ils sont dans toute zone qui est tout près du ministère là. Il y a une façon pour montrer l'importance du centre alphabétisation dans diverses institutions publiques. On suit. Dans le ministère de l'Intérieur, il y a 14 centres Alpha qui ont fonctionné avec plus passé 300 participants. Sans ça, yo, en majorité, il y a plus grand monde. Il y a participants qui travaillent dans le ministère, il y a l'autre, c'est dans la zone tout près, ils habitent. Participants qui gagnent 50, 60 et 70 l'année, paraient bien en jeu. Le problème, ça a empêché yo ouais sous tableau et puis bah, yo difficulté les à faire exercice lecture et écriture. Yo pas arrêté derrière, c'est pour yo avancer dans le programme Alpha économique là. Grâce à programme Alpha ouais clair, yo tout rivé ouais docteur. Oui. Ou dans Saint Alpha. Oui. Oui. Mais on y a là, l'offre prend lunettes là. On est capable ouais bien. Oui. Bah ouais clair, dans un bon noir et qui va résoudre. C'est mon cas ouais bien. Oui, m'ka écrit tout. Moniteur dans Saint Henri Christophe avec tout l'autre monde qui est impliqué dans le programme nan, content pour façon Alpha m'a connait avec la santé. Dixième campagne Alpha. Si on Alpha intégré qui considéré participant dans tout aspect dans la ville. Moun ça que nous prenons, c'est moun qui gagne difficulté pour ouais. Ça veut dire c'est moun qui âgé et nous voulons qu'on ni, c'est ça qui fait que nous prenons moun ça pour yo capoter vers là peut-être ça capable mettre yo plus bien. Ouais. Nous docteur va faire yo bon gens intelligent, grand pile là qui qu'on lit et qui qu'on écrit pendant tout temps nous faire. Mais grand pile là tout qui pas qu'on qui voulait lire mais qui pas qu'à ouais mais sans ça nous t'ai parlé avec autorité locale yo yo t'ai dit que y a déplacé docteur vienne consulter mon yo pour résoudre problème Alpha santé ya. Pour participants yo Alpha économique là c'est ça net participants yo ouais
c'est Alpha économique qui permet de résoudre problème économique et problème grand goût. Même si nous devinons là nos grand goût, mais nous avons fait ça quand même. Espérer ça, nous avons besoin quand même. Moniteur yo bon côté pa yo, kwè gagné en pile décision qui pral pran pour permettre une série programme économique rive mettre sous pied dans cadre Alpha économique. Li gagné comme projet pour prêter un petit cob pour remettre li et par versement en petite quantité gens yo capable. Programme Alpha économique l'en prend j'arrête dans pays a dans ministère yo responsable yo ensemble avec employé yo a pote coller dans département géographique yo. Commission départementale qui gagne divers secteurs là-dedans yo a travail. Divers citoyens a pas accompli devoir civique yo pendant autorité l'état yo prend responsabilité pa yo. En ken moun, en ken secteur pa doit rester derrière. Devoir ça, c'est tout moun qui doit accomplir en faveur catégorie moun yo toujours méprisé dans société yon. Avant 2004, c'est pour tout haïtien travail pour changer réalité ça, nan participer nan campagne Alpha économique là. Alpha économique, c'est de voir l'État, c'est de voir tout citoyen. Après les vous amis téléspectateurs, nous fait 1er mai année ici là, les mariés à l'alphabétisation, gagnent équipe télévision nationale d'Haïti qui était sous place journée jeudi à la Champ de Mars. Et demain, nous va gagner pour montrer une qui j'en préparatif yo ouverture au foyer dans l'occasion 1er mai fête ça cap fête dans 9 départements géographiques pays d'Haïti. Population Plateau Central accueilli 12e foire technologique Infotel Expo Académique dans ville Hinche, sorti 26 et pour arriver 28 avril qui souhaite passer la 12e fois ça, a rassemblé environ 4000 participants qui devinent les connaissances avec nouvelles technologies et dans affaires communication qui sont accessibles pour la population dans le Plateau Central, le pays d'Haïti, mais de préférence jeunes en particulier. André Fraisse mettait sous place, en dessous le reportage. Le foire technologique Infotel, Expo Académique Hinch. Numéro 2 groupe croissance lan, Nesmi Maniga, te exhorté participants yo sur nécessité qui gagne pour yo rete connecté à rentrer nouvelle technologie information et communication dans plateau central qui pral bay zone nan possibilité pour évoluer. Cependant, monsieur Maniga déclaré rentrer caravane Infotel Expo Académique lan dans département Centre-Lan pral pote bon jan résultat pour population en particulier pour jeunes yo. Il y a énormément de complémentarité entre l'initiative d'Infotel, le mouvement d'alphabétisation et le combat que mène aujourd'hui ce ministère qui vise non seulement à renforcer l'offre d'éducation, mais surtout la qualité de l'éducation. Et en ce sens que nous tous avons toujours cru aujourd'hui qu'on ne peut pas réussir dans ce chantier sans offrir des opportunités nouvelles, notamment technologiques, à la jeunesse haïtienne. Et c'est le sens et la signification civique d'Infotel, c'est le sens de la campagne d'alphabétisation. Ministre éducation nationale là, Myrto Célestin Sorel, qui toujours marqué présence li nan réalisation diverses fois technologiques groupe croissance a organisé à travers pays a déclaré multitude élèves sa yo qui rassemblé pour suivre Infotel là dans ville Inche, c'est une source espoir qui pral bay pays a possibilité pour rentrer dans modernité. Comment en effet ne pas être touché par cette multitude de jeunes du plateau central rassemblés pour découvrir, pour s'initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour la ministre de l'Éducation nationale que je suis, cette multitude de collégiennes, de collégiens, de lycéennes, lycéens, d'écoliers, d'écolières, rassemblée aujourd'hui à l'occasion d'Infotel, est une source d'espoir pour la modernisation de notre pays. Votre présence ici exprime votre volonté de savoir, de connaître, de communiquer avec les outils de votre époque. Élèves t'es sorti dans toute section communale département Centre-Lan grâce à moyen transport ministère éducation nationale t'es metté en place pour élèves yo t'es capable venir lier connaissance à nouvelles technologies information à communication. Toute boîte l'état yo dans département Centre-Lan t'es travail de concert à comité organisateur
pour te faire 12e fois Infotel Expo Académique là, yon réalité dans plateau central. Depuis Inch, André Frazmé pour la Télévision Nationale d'Haïti. Toujours dans l'actualité la Kaino, hier dimanche 28 avril 2010, t'es chargé pour ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ensemble avec représentant cabinet chef l'État haïtien, président Jean-Baptiste Aristide, qui t'est causé avec plusieurs organisations dans le bloc Carrefour-Feuille, 30 organisations, et en plus, l'organisation populaire dans rue Monseigneur-Guillou pour discuter sous évolution travail qui a fait dans zone Sayo. Représentant exécutif l'a annoncé, président, gain ferme volonté pour bâtir lycée, marché avec route pour population dans zone Sayo. Suivant, reportage collaborateur nous Ronald Léon. Caïman dans mémoire Bruno Renel, ancien représentant président Jean-Bertrand Aristide, Jose Ulysse avec ministre PTCA Harry Clinton, chita parler avec membre Odema Cocaf avec plusieurs marchands dans marché tunnel dimanche 28 avril là. Dans une véritable ambiance cordiale et démocratique, représentant organisation Carrefour Feuille ont posé question sur évolution divers projets pour zone là. Opéra souhaité autorité au prêt satisfaire revendication sa yo. Machan yo te insiste yo même sous dédommagement yo pas joine à justice pour Bruno Renel. Nous même nous demandé président Jean-Bertrand Aristide pour le bas nous secours. C'est nous même qui te couru descendre en dedans devant palais national nous t'al relé. Et puis nous même moun qui te rete la kayo qui te pe pour yo pas mourir. C'est yo même qui marché en grande foule yal prend l'argent nan parti pris et puis yo bay moun pa yo manger. Yo dit c'est moun qui fait parti yo qui pour joindre comme ça. Nous dit président Jean-Bertrand Aristide, pas dans parti pris, c'est pas pas moun parle te bay comme là, c'est pour machin ka fou faire li te bay li. Nous dit n'a joindre comme ça quand même. Nous mandé autorité yo ensemble avec ministre PTCA pour joindre ensemble pour nous connaître comment pour nous joindre non seulement justice pour Bruno Renel. Nous avons le leadership en dedans pays nous qui c'est Jean-Bertrand Aristide et qui voulait goumen beaucoup de classe qui plus pauvre là. Et je vous dis là nous est tout ça qui a fait pour yo ouais comment est capable bloquer. Nous voulons faire ça reler 200 ans nous. Et vous voulez bloquer. Et blocage ça, nous avons côté le sorti, ce n'est pas de l'autre côté lié. C'est la communauté internationale là même qui bloque tout blocage ça en dedans pays. Qui fait journée aujourd'hui là, à chaque fois, leur président arrive en côté, en pile dans nous disons que c'est menti, président Baye. Comme dit nous, président, il n'y a pas de volonté pour nous, pour l'aider nous. Rencontre ça te permet délégation officielle la remarquer information sur évolution travail dans Carrefour Feuille particulier en dans population. Monsieur Jose Ulysse by garantie exécutif là prêt pour lui satisfaire toute revendication moun ka vive dans Carrefour Feuille. Récupérer il te pour regarder tout ensemble avec moun qui gen kay à côté là pour connaître qui a rendu après pour qu'il y un bel lycée dans zone là il a toute cette formation professionnelle tout. Ça te censé plus ou moins clair nous connaît que dossier a marché. Quand il y a information claire, m'pa quoi avec gen levé campé pour parler ça encore dit tout. Concernant route là, tu gen deux aspects là-dedans. Gen aspect route qui était pour finir hein, que ce qu'on dit ça exécuter contrat te gen et gen l'autre route que nous demandé en plus yo que gen ingénieur Toto Vixama, gen ingénieur Gaëtan avec deux autres monde qui gen pour travailler encore pour connaître concrètement qui y a fait route là parce que devoir parler de route même si on va faire gros étude longue. Il faut un minimum quand même qui vous dit mes côtés la passé, mes qui j'ai la passé, mes côtés gain de l'eau qui passe en balle pour gain des minimum d'état qui vous ont côté pour qu'on ça qui passé. Après rencontre entre Opé dans Carrefour Feuille, délégation de prendre direction zone sanatorium pour continuer parler avec population quartier ça. Ministre PTCA Harry Clinton te présenté devant population où Monseigneur Guillaume y a un plan route là qui pourrait coûter à peu près 15 millions de gourdes. On doit même dire que nous avons approché qui était fait déjà. Immédiatement que Bala a fini de parler, on a dit que l'ingénieur dans le travail public. L'ingénieur Toto Vixama, directeur de travail public, a été tout là. De faire venir faire relever l'axe route là, qui sortit dans la route de Dalla là. Dans le carrefour route de Dalla, qui a monté un sanatorium. Il a identifié tout le côté qui est ouvert. Il a monté, donc tout monté, il a monté. C'est le plan qui a passé, il a monté. On a monté, on a passé là, on a juste arrivé dans le marché là. OK?
même bien aimé là et puis il y a des caillettes là qui fait des brèches, OK. Là il y a là la cafou ça arrivé au camp. Donc il prend longueur jusqu'à cafou ça. Donc là au fin prend longueur, au fin garde toute bagaille, une estimation rapide qui fait pour qu'on étude vraiment approfondie, non. Mais mon ancien ingénieur, il garde état dégradation route là, il garde un peu ça il a besoin. Donc ils font estimation rapide qui censé ba nous 13 448 bon 13 500 000 gouttes pour travail la fête. PDCA Harry Clinton mandé pour population zone là participer dans tout travail qu'a fait dans quartier Sayo. Ronald Léon TNH Port-au-Prince. Toujours dans l'actualité la Caïnon, Jean-chef l'État haïtien, président Jean-Bertrand Aristide Tédil, dans la date 30 septembre 2001, construction deuxième lycée Saint-Mac a commencé. Lundi, qui souhaite passer là, et agronome, ou du moins chef cabinet particulier président, Dr Jean-Claude Desgranges, déposé première roche pour construire nouveau lycée ça. Depuis les SAS, amis téléspectateurs, ingénieurs, ouvriers, commencé travail pour remettre le local à lycée ça. Sous télévision nationale d'Haïti, ou à suivre téléjournal, nous y avons vent tension soufflé bien bonne matin dans plusieurs quartiers dans la zone métropolitaine nord à cause du mouvement boule caoutchouc qui a commencé, j'en ai dit là, matin 29 avril 2002. Dans Solino, coordination organisation populaire, a demandé pour le président Jean-Bertrand Aristide causer avec eux sur plusieurs projets qui gagnent pour bloc là, alors qu'il a lancé un pinga dans l'autre secteur pour pas fourrer bouche dans cause petit à papa. Collaborateur Willem Cadet et promené micro là dans tout quartier populaire, yo, suivre le portage. T'es levé joindre caoutchouc à bouler avec diverses barricades qui étaient bloquées plusieurs entrées dans le quartier populaire ça, matin lundi 29 avril. Mouvement ça qui c'est initiative COPS, coordination organisation populaire Solino, c'est pour demander pouvoir en place là, voyager garder yo. Organisation populaire ça yo exige présence chef l'État dans Solino, même j'en déjà fait pour plusieurs autres quartiers dans zone métropolitaine là. C'est d'Aristide qui a une volonté pour le peuple. Mais les gens qui sont à proximité de Jean-Bertrand Aristide, qui sont à côté de lui, ne savent pas venir régler un rien pour le peuple. Et tandis que le président Aristide connaît, nous-mêmes, dans Solino, qui travaille, nous fait, nous luttons, nous faisons élection, ma coup de batte, nous, frappe, calé, nous, on dit pour aujourd'hui, pour c'est dans l'État, ça va vivre. Et si nous regardons là, pour terrain, ça a l'air équipe si les gens dans Solino, pas à l'école, ils pas à manger, pas de centre de santé, pas de rien dans Solino. Quand ils crassent, pas de place publique dans Solino. Maintenant, nous prenons une décision pour nous relayer, nous-mêmes. C'est droit nous la revendiquer. Constitution dit nous ça. Nous jeunes garçons, c'est droit nous pour gouvernement, bon nous encadrement pour nous vivre, je nous dois vivre. OK? Nous pas qu'à manger, nous pas qu'à boire, nous pas qu'à l'école, nous pas qu'à éducation et gouvernement pour nous bagaille investir dans l'humain. Organisation populaire Solino te défini à clair caractère mouvement ça qui pas gain aucun objectif pour déstabiliser pouvoir en place là. D'ailleurs COPS fait connaître c'est un dossier qui concernait la famille. Qui donc ses affaires papa ak petit an. Par conséquent, organisation populaire sa yo voye di moun de yo pas rentrer dans sac pa gade yo. N'a di convergence non, foul pas rentrer dans bagay petit à papa. Président si c'est papa nous, c'est normal si grand goût faut le ba nous parce que tout le monde connaît les bon petit grand goût, li gen papa le faut le mander papa le manger. Et nous connaît président si tout, li di nous pas droit voler. Nous pas droit faire aucun bagage qui mal, nous pas faire ça qui mal, c'est normal pour nous révolter avec droit nous avec ti moun k'ap mouri malnutrition dans zone là. Et n'a dit convergence pas entrer dans ça et n'a mandé président Aristide pour le voyer kounye là pour le voyer moun vinn wè notre situation personnelle à vivre. Et tandis que nous même la police pas de perdre du temps pour te contrecarrer mouvement ça qui te mettait en pile panique dans quartier Solino à l'autre zone qui tout collé là. Intervention la police te fait en pile marche gonflé dans camp manifestant yo. Gardez-moi même garde qui jamier, m'gè des petits moun, c'est couine couine vide de l'eau tout moun net grand moun disposé. Et puis nous gè un petit moun tout qui victime. Oui, gè petit moun qui là l'hôpital là gaz là, petit bébé là veo là, mais gè un youn qui relé Timmy qui prend balle là avec là. Là nous pas de temps pour nous te constater. Mais son jeune garçon. Un jeune garçon lié, mais nous même tout moun t'a prend gaz, nous pas de temps parler. On seul bagarre nous même nous mandé, nous pas mandé président Aristide nous mettait chaud, à faire chaud nous pas connu parce que c'est la valasse nouyé. Si président Aristide pas entré tout côté, vite constater malheureuse, misère, grand goût, tourni, pagaie de l'eau courant, n'a pas mouru. Et pour l'entrée, nous demandons pour le président Aristide, entrer Solino tout. Même ventation ça a été soufflé dans plusieurs autres quartiers de Port-au-Prince, qui était la cause en plus l'activité qui fonctionnait au ralenti. Willem Cadet, TNH, Port-au-Prince.
L'autre point toujours dans l'actualité la caille, nous habitants dans Zile Lagunav, gagnent un centre sportif avec matériel qui permet aux jeunes dans diverses sections communales d'exercer quelques disciplines sportives. Centre ça, chita dans Zabrico, qui est situé dans mi-temps deux grandes villes ziléa, en Sagalé et Pointe-à-Raquet. Avec centre sportif ça, décentralisation fait un pas dans Zilea, alors que responsable demandé aux autorités concernées pour encourager une telle initiative. Yon équipe n'était sous place dans Zile Lagunav, en Ouakijan Sateye. Construction centre sportif ça dans Lagunav, c'est preuve collaboration secteur privé a pour faire décentralisation en tourner en réalité. Stade ça qui construit dans Zabrico permet population gilée à distraire chaque fois où la doit recevoir l'autre équipe. Marée jaune et noire toujours prend la rue alors que Fanfa ou la Do Football Club a exécuté rythme entraînant dans un stade qui possède des propres civières motorisés. Yon groupe électrogène qui permet déroulement rencontre à yon lot journaliste sportif dans tout pays a utilisé pour faire retransmission match pour quel que soit média à travers 9 départements géographiques pays d'Haïti. Responsable ou la de qui compte vendre images à l'extérieur a pu utiliser dans jou cap vinio yon site internet ou la do fc.com. Information yon équipe nous rive joine dans vestiaire équipe ou la doa qui t'a recevoir équipe violette là. Que content la caille fanatique Roulado, démonstration cheerleaders, match la fini yon goal à zéro et placé équipe Zilea confortablement en première position. Contentement parmi habitants Zilea qui très sympathique. Image la joie qui était visible jouk nan bateau qui t'a transporté équipe yo avec Jean-Ribert Menelas qui t'a ba information de victoire sous Violette. Alors que yon l'autre bord, Freddy Mazouka, vice-président Violette, avec tristesse, t'a cherché qu'on ait résultat l'autre match au pas téléphone. Construction centre sportif, stade de Saville-des-Saints dans Lagunav, yon initiative qui méritait encouragement. Amis téléspectateurs, il y a un peu de la pluie qui est tombée pendant le week-end. Nous pourrons rejoindre Captain Météo avec dernière prévision météorologique. Pour cas avec couleur habituelle, c'est couleur officielle équipe. Là. Quand on touche avec Eddie César sous bord droite, là, on débordement, le centre de Saint-Peur, coup de tête, mais goalkeeper est sous ballon. Pourtant, c'était dans Bouchkan. En déviation, en arrière, il Kinol, me semble-t-il, qui fait un fly, un demi-fly, et Généraux qui était sorti aux États-Unis, qui est entré dans l'équipe là depuis seulement 3 semaines, eh bien, Généraux a profité de fly ça après déviation, hein, et c'est ballon, hein, Calangolan, Carioca, Pral souffri, alors que Carioca Pral gagnait plusieurs actions de but possibles. Mais nous voyons que Golza a prêté net dans le camp équipe Carioca. On ballon dans le terrain, on passe en avant, on deuxième passe, on troisième passe, l'intervention, le tir, ballon frappé sous poteau, monté dans le ciel là. Encore attaque pour l'équipe Carioca, le tir, goalkeeper de fort belle manière. Détourner ballon en corner. Il n'y a absolument pas de hors-jeu. Centre, mais encore une fois, le jeune portier de Liancourt intervenu sans prendre goal. Un bon passe dans le dos arrière. Le tir trop écrasé. Ballon allé à côté. C'était sans peur. On attaque Liancourt. La déviation de manière très élégante. Mais l'attaquant de pointe s'est fait rejoindre par le défenseur central du Carioca, alors que Carioca a fait forcing en centre de la gauche. Ils se sont mêlés les pinceaux, les attaquants du Carioca, et finalement, Abitla mettait fin à partir. C'est triomphe de Liancourt qui gagne le match-là contre Carioca à Port-au-Prince même. Aigle Noir contre Zénith, Tichalalet Junior sous l'aile droite-là, fait un débordement, il est arrivé éliminé arrière alors qu'il n'avait presque pas d'espace, mais il n'y a personne, disons que ballon était trop haut pour attaquant de pointe là. Et un ballon que Zénith a attaqué, le contrôle, le lob, mais on a écrit les Océanismes qui sont en Argentine,
qui pas d'accord pour le prendre goal et puis monsieur décider lui-même faut le faire goal fin match lui soulever ballon hein, goal qui peut être compté avancé goal goal qui peut être foot un petit peu de comme dans un goal qui peut être scolaire et José Luis Morelli sauver l'aigle noir lui marquer carrément deuxième goal lui dans compétition son jeune gens qui gagne en pile personnalité on voit vraiment que c'est pas seulement un goal qui fait que monsieur gagne personnalité lui mettait charisme lui sous terrain lui décider pour aller shooter coup franc lui shooter coup franc et son père du Zénith était trop avancé et laissé Jean Laurent peu de temps après seulement une minute après mettait fin à rencontre là n'aller Lagonave j'aime Lagonave remédier sous iléen Roulado tape recevoir Violette Athletic Club. Roulado, évidemment, en jaune et noir. Et Violette en bleu et blanc. Gagné yon l'autre gros goal qui pète tout, qui n'en qu'un Roulado a. C'est Clamart Augustin qui pour qu'on jamais prend goal dans la compétition. Nous sommes à la 9e journée. Donc, monsieur, sous 9e match, il pour qu'on jamais prend goal. On est en droit de se demander si c'est pas tout simplement. Le record national. Déjà, l'Eltap Jouan Cavalli, Clamart Augustin, t'es fait 6 matchs, il n'y a pas de jambes pour un goal, mais il y a 9 matchs. Et Roulado, pas pour un goal non plus dans le match. Nous parlons de ça, j'ai Robert Menelas glissé, il n'est pas capable de faire plus que ça. Alors que sous coup français, Clamart est capable de goal là de Edner Dorsey. Edner Dorsey et le milieu de terrain offensif du Violette, le Baltinon Pelé, c'était avec Pétionville, mais ballon est frappé sous transversal là. Tu as gagné incident avant match. Nous croyons que c'est des barrages pour qu'il t'a éclairci. Et commissaire match là a gagné peut-être pour bail toute explication qu'il faut. Puis quand, semble-t-il, prend coup, puis quand c'est ancien international, c'est mi-temps qui finit là, et qui c'est entraîneur gardien Violette, il semblerait qu'il aurait été frappé. Donc là, il y a des éclaircissements pour qu'il bail. Dirigeant Lagonavio, en général, c'est des dirigeants fair play. M'espérer que si tu as gagné un problème réellement et que c'est des problèmes, t'as qu'à dire accidentels, ce n'est pas un bagaille qui pral systématisé. On passe en profondeur sous goalkeeper A, c'est goalkeeper A qui joue ballon 1, et l'auture, équipe où la doit attaquer avec Namita terrain là, mais pas de gagner en gros action qui est capable de faire. Nous comprenons très bien que le plan est extrêmement serré, là, pral gon penalty, vraiment que nous ne nous expliquons pas. Nous ne savons pas qui côté gagne pénalité là. C'est vraiment très étonnant. Déviation de tête, mené la sphère a passé, pas de aucun problème. Nous voyons que arrière en courant attaquant qui a forcé pour prendre le ballon. Hein, et puis gardien hein, prend le ballon lui. Et le pénalité de Jean-Robert Milas. Je crois vraiment que c'est là, vous reconnaissez, le président du Roulado de Lagonave, Saville Dessin, qui est content. Et le pénalty de Jean-Robert Menelas qui marquait 6e goal dans la compétition. Roulado, nous avons dit avec victoire, ça prend le large. Et coup franc, ça pas de bail en rien, puisque attaquant argentin du Roulado de Lagonave, pas réussi à mettre le goal là. Et là encore, Violette raté possibilité pour être capable de faire un goal là. On passe de Peterson Jackson, la reprise. Et qui t'a capable de surprendre Clamart Augustin, mais Clamart, tu es encore sous ballon. Hein. De toute façon, semble-t-il qu'il peut passer dans le goal là. Rosario Lotio fait un dégagement, mais c'est encore une fois défense ou la Doha. Tu es présent au parc Saville Dessin. Match a fini 1-0. Vous reconnaissez le numéro 20 de la Gonave. C'est les deux présidents, enfin, le vice-président et le président. Mais le vice-président, c'est l'homme à tout faire. Freddy Marzouka et Saville Dessin qui t'a parlé après match là. Et gros rara dans l'équipe à Lagonave du côté de Zabrico. Victoire donc de Roulado 1-0 au départ du Violette Athletic Club. C'est, ça fait affaire l'Aignois. L'Aignois en Roulado. C'est Racine qui prend le gagnant contre Cavalli. Et Racine en jaune et bleu et Cavalli en rouge. Dans le stade Silio 14, c'était le dernier match journée. On sent qu'il fête.
Notre caméra qui tarde à retrouver l'action. Et goal qui perd, qui pas est arrivé. Et le coup de tête de l'attaquant attaquant brésilien qui Ressinger pour la première fois Ressinger étranger. Et la pénalty alors que le joueur dribblait en retrait. C'est encore une fois l'attaquant brésilien de Ressinger qui vient sur action 1. Et ça va être le pénalty réussi par Chaperon et 2-0 pour le Ressinger.